Vous allez vous êtes en pleine forme le jeudi matin. Ça y est, on a réussi. Pour le logiciel de montage, c'est réglé. Donc on va pouvoir refaire. On va pouvoir refaire. Enfin, les vidéos, ça je les ai fait, mais je vais pouvoir vous remettre des vidéos en ligne. Donc ça, c'est une bonne chose. Du coup, hier, je n'ai pas fait le mercredi, parce que c'est mercredi, j'avais les enfants, j'avais plein de choses à faire. Au matin, on n'a fait que téléphoner. Je vais boire un petit coup, parce que sinon, je vais mourir. Au soir, hier matin, je n'ai fait que téléphoner. Un peu partout, en fait. On a téléphoné chez Luminus pour qu'ils reprennent. Je suppose qu'on n'a pas fait tenir la vaisselle. On a fait la vaisselle. On a téléphoné chez... On a téléphoné chez Luminus pour qu'ils reprennent le compteur. Donc voilà. Du coup, là, je suis obligé de faire la main parce que si j'en ai la fenêtre, personne ne l'a fait. Donc, on a téléphoné chez Luminus parce que, ben, en passant les actes, on avait reçu. Le relevé du compteur. Donc, il fallait faire la minus. Tant que chaud. Il fallait faire une minus par prise de compteur maintenant pour qu'on puisse commencer à faire des travaux. Parce que ben, ils n'ont pas coupé l'électricité. S'ils coupent l'électricité dans le bâtiment, et puis que vous relancez l'électricité, ça paye 750 euros. C'était pas notre enthousiasme premier. Donc on a téléphoné là-bas. On a téléphoné à l'école de Valentino. Il n'y a plus de couteau, il n'y a plus rien, je vous jure, ça m'énerve. Tout ça parce que hier, j'ai pas fait tourner la vaisselle. J'étais distraite. Je suis distraite encore maintenant. Je parle et je ne sais pas ce que je voulais vous dire. Parce que je fais deux grandes choses à la fois. Donc voilà, hier je me suis levée hyper tard. Donc je ne raconte même pas. Je me suis levée, il était 6h50. 6h50, j'étais en transe, j'étais au bout de ma vie. J'avais oublié mon téléphone ici en bas. Donc voilà, j'ai passé ma journée vraiment fatiguée hier. J'ai téléphoné à l'école de Valentino pour les petits soucis que Valentino a, etc. Pour me trouver des solutions de méthode du travail, etc. pour lui. Ensuite, on a téléphoné chez Luminus pour la reprise du compteur. Ensuite, le grand barbu est allé commander tout ce qui était chaudière, etc. On a envoyé la première première facture sur notre banque pour avoir les sous pour la chaudière. On a fait un pré-travaux, donc à chaque fois on a envoyé tout. Et puis ensuite on a récupéré les enfants. Le copain de Venise de Vénissure est rentré quelques minutes, une demi-heure, parce que son bus est à 58. Donc du coup, on lui dit, c'est pas grave, on n'a qu'à rentrer. Et puis, voilà, donc ils ont fait leurs devoirs ensemble. Donc voilà. Donc du fait, on ne fait que courir. Puis après-midi, un petit rangement, les devoirs avec les grands. Et puis un petit rangement, notre petit, etc. Puis on l'a fait à la sieste. On a dû consommer de nouveau chez Stylelec pour l'électricité, au distributeur d'électricité qui doit venir nous raccorder, enfin,
réceptionner la maison et me raccorder. Donc, ça m'a fait peur que ça soit toute la journée. Et puis ensuite, préparation du souper. Donc, c'est un peu la folie. Et puis, c'est un peu la folie. Et puis, quand enfin on a eu fini tout ça, il a fallu que. Il a fallu que. Sur le site, etc. Et puis, je téléphone avec une amie. Et puis ensuite, j'ai téléphoné à ma maman. Et puis au final, j'ai fini toutes mes conversations qui étaient 21h. Je suis montée, je me suis lavée, etc. Je suis montée dans les biberons à Sandro. Et puis j'ai regardé deux esprits criminels. Et puis je me suis couchée et j'ai encore un peu papoté avec le grand barbu, regardé une petite vidéo sur mon tel. Et puis je suis allée me coucher. Mais il n'était pas. C'était pas encore super tôt quoi. C'était encore presque midi. Donc voilà. Du coup. Aujourd'hui, au programme de la journée, on va aller déposer Sandro chez maman. Et puis ensuite, hop, direction chercher mon frère qui fait les travaux avec nous, qui doit venir prendre des mesures. Ne me demandez pas. On doit prendre les mesures des canalisations, donc de l'endroit où la salle de bain va être faite, jusque la cave. On a une toute petite cave. On est jamais allé dedans d'ailleurs. Dans la cave pour s'accorder à l'égouttage, donc pour se jeter, pour que l'eau puisse sortir de la maison, bien évidemment. Donc ça doit être fait pour qu'on puisse aller commander, quand on va commander les évacuations et tout ça, savoir combien de mètres d'évacuation, de sortie il nous faut. Et on va commencer vider le grenier parce que parce qu'en fait il y a encore plein de petites choses dans le grenier, donc c'est super, mais le grenier est toujours rempli, donc on doit tout trier et garder ce qu'on veut garder, jeter ce qu'il y a à jeter, et puis voilà. Donc moi aujourd'hui j'y vais pour faire ça. Quand je serai y aller, j'irai pour les aider. Quand je ne sais pas y aller, c'est que, ou bien c'est mercredi, donc j'ai les enfants en lit, donc voilà. Mon lit, c'est pas prendre les enfants, comme par exemple aujourd'hui, elle ne saurait pas prendre, aujourd'hui non, elle prend Sandro, mais demain elle ne sait pas prendre Sandro, parce qu'elle fait ses courses, évidemment. Donc du coup, voilà. Là il pleut, il fait caillant, j'ai mis une vieille blouse. C'est une blouse que je mets quand je mets des pulls sans manches, mais elle est trop large au niveau des manches. Donc du coup, il faudra que je rachète une. Ça sera pour l'hiver prochain. Parce qu'en fait, celle-ci, elle est un peu large, j'en ai trois différentes. Et celle-ci, en fait, je la mets quasiment pas parce que c'est pour mettre en fait sur des longs pulls et tout ça. Et j'en voulais une un peu plus collante. Et celle-là, elle ne colle pas assez. Donc j'ai mis ça, plus encore un t-shirt chemisette en dessous. Que je mets souvent, vous voyez souvent avec hein, ces petits des petits cinglets comme ça noirs de chez que j'ai pris par là chez Lidl. J'en ai blanc, noir, rose, gris. Donc voilà. Et je suis en training, je mets des baskets et j'aurai en plus un polar et une grosse écharpe. Ça devrait le faire. Donc voilà. Donc on court un petit peu en ce moment. On a réussi à relancer le logiciel de montage. Donc je vais pouvoir vous refaire des montages et les remettre sur ici sur YouTube. Donc vous allez voir que vous récupérez toutes les vidéos. Et puis voilà. Il faut que je sorte aussi de quoi pour le souper. Comme ça, quand je rentre, je n'ai plus qu'à faire le souper. Hop là. Et
laver vite fait ce petit truc là avant de partir. On va quitter vers 9h la maison. Donc déposer Sandro et puis hop. Les grands finissent tard et finissent les garçons tard parce que aujourd'hui c'est leur truc là, leur P45 comme ils appellent ça. Et justement, hier on en parlait avec la l'éducatrice de Valentino. Et du coup, jusque maintenant, il allait un peu à tous les ateliers. Et là maintenant, il n'irait plus qu'aux ateliers méthodes de travail. Donc on va voir pour voir si ça va fonctionner. Mais aujourd'hui, par contre, lui, il ne va pas justement vers 45. Parce que. Parce qu'il va faire du sale dans notre belle capitale. Et son frère, c'est le 6 avril. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, lui, il part après-midi. Et Vinicius, il va au P45. Donc, ce qui fait que lui, il sera rentré à 16h15, je pense, ou 16h45. Lui, il monte. Mais en tout cas, il ne va pas rentrer tout de suite. Valentina, il me dit que c'est à 13h, mais j'ai aucune. J'ai pas eu d'information en fait là-dessus, ça m'énerve un petit peu. Je vous dirai que honnêtement, ça me gave un petit peu, parce que j'ai pas vu la lettre. Hop. J'ai pas vu la lettre, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On ne sait pas, on va hop. Alors, le jambon pour les tartines des filles. Hop. On va retourner tout à la limite ici. Ça c'est trop bon. Bon. Voilà. Bonne chose de faite. Donc j'ai tout, je pense. Faire un sandwich pour les filles. On a deux lots de faire un sandwich pour Valentina. Je sais pas. Voilà. Hop. Je dois même faire deux cartons pour Valentina. Si jamais. Il part toute la journée, mais au moins. Sinon, mais c'est vraiment toute la journée, comme moi je le pense. Là, au moins. Faut s'énerver dessus. Si au moins c'est toute la journée, ben, on dit que il aura à manger. Si c'est pas toute la journée, ben, il prendra son sandwich et attend une paix. Mais moi je suis sûr que c'est sûr et certain qu'il aura un repas ce midi au pire. Il me semble que moi quand j'étais dans le rêve, m'a dit oui. Je ne sais même pas si je vais te laisser partir la journée à Bruxelles. Donc j'avais quand même l'impression que c'était la journée. Que je ne sais pas. C'est pas moi qui ai pris le jambon. Ok. Hop. Et voilà. Donc honnêtement, je ne sais. J'ai un doute. Vraiment un gros doute. Le truc. Donc je vais revenir sur YouTube, ça y est. Je suis désolée de vous avoir abandonné. Mais voilà, voilà. Hop, les sandwichs pour Zoé. Hop. Voilà, voilà.
couper. Ce qu'elle préfère, c'est le bout d'un blanc pour avoir la peau parfois. Hop, je chie un petit peu. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Je vais mettre quelques rondelles. Voilà pour la moselle. Son petit yaourt. Voilà. Je vais lui couper une cuillère. Hop, bon, tout le monde rentre assez tard aujourd'hui. Et du coup, on a déjà pas mal de choses pour la maison. Et franchement, comme je le dis, j'étais prendre les mesures et j'étais étonnée de voir. J'étais étonnée de voir la grandeur en fait. Moi je la trouvais plus petite, c'est une bonne chose. Parce que moi quand je l'ai vue, je la trouvais petite, enfin pas petite, mais je la trouvais plus petite que celle. Il faudra que je rachète des sacs pour les sandwichs parce que je vais y arriver tout doucement au bout. Des sacs sandwich. Donc voilà. Hop. Hop. Il faudrait que je mette une brosse à tartiner peut-être à Zoé, je pense. Je vais mettre une boîte à tartiner. Là on arrive à mon avis pas loin de 7h, il commence à faire clair. Donc voilà, je vais mettre ma boîte à tartines qui est mieux parce que. Hop. Les sacs à sandwich, je vais les garder au maximum. Pour mettre les collations dedans. Donc voilà, voilà, rassurez-vous. Même si vous entendez le petit pleurnicher là, vous êtes obligé. Ils ne sont pas seuls, on monte. Hein. Ils ont leur papa qui est en haut, qui n'est pas encore descendu. Voilà. Ça c'est fait. Et alors, on va prendre le sac pour les collations des grands. Donc voilà, 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 cette histoire. Et hier, qu'est-ce qu'on a mangé hier? Hier, on a mangé des pommes de terre au four avec, avec du blanc de poulet. Hier, c'était chouette, c'était bon. C'était bon, c'était bon, c'était bon. Hop. On arrive à la fin de la collation. Je ne vous pas. On arrive à faire des collations. Je ne sais pas si on met celui-là à Vénitio sans certitude, parce que Vénitio est un peu plus compliqué que les autres. Et alors hier à 19h35, Vénitio qui me dit, je suis au téléphone avec ma copine, et Vénitio qui arrive et qui me dit, bon, demain c'est pour la partage. Quoi? Demain j'ai ma copine qui était là, qui écoutait. Demain j'ai fait 45. Je dis oui. Comme vous l'avez dit, oui, mais en fait je viens de regarder sur la plateforme. Je dis oui. Et je dois faire la cuisine. Je dis oui, ok. Et donc il faut.
À 19h35, votre enfant qui vous sort. Donc, il me faut. Là, vous dites, on est quand même pas bien parti. Et en fait, ça allait. J'avais tout ce qu'il fallait. Donc, je me dis, ça va chouette. J'ai tout ce qu'il faut. Je reprends, j'ai été à la nouvelle maison, j'ai des arrains crèmes partout, ça rompt. Ah. Ah, voilà, on a bien avancé, on a recherché les carpettes, on a regardé où passer les canalisations pour se rebrancher sur les autres canalisations. Donc on a changé certaines choses à la canalisation, on a cassé mon téléphone, il est brisé ici. On a découvert la cave, etc. Enfin voilà. On a bien avancé, j'ai déjà bien commencé à vider tout. Là, j'ai récupéré tous les enfants. Mon chéri est passé chercher Sandro qui a passé la journée chez maman, puisque quand je monte au nouveau bâtiment, c'est ma maman qui garde Sandro. Et pendant que les autres sont à l'école, on en profite justement. Et là, on va manger des chipolatas avec de la purée de carottes. Donc voilà, voilà. Hop. Donc voilà, voilà. Du coup, tout à l'heure, ça a été coupé à cause de ça, à cause du fait que c'était rempli. Donc voilà, parce que mon truc était rempli. Voilà, voilà. Donc là, on va souper, manger des chipolatas, de la purée de carottes, des chipolatas et des pommes de terre au four qui restaient d'hier parce qu'il me reste pas mal de pommes de terre au four. Et voilà, les chipolatas sont déjà bien au cuisson. Vénitio a fait du tiramisu. Donc on goûtera ça. Il a fait deux petits pots pour moi et un pour Dimitri. Mais ils doivent reposer au frigo jusqu'à demain un petit peu. Donc je vais faire en cuisson classique. Ça ira très bien. Donc voilà, on va réchauffer ça. Et puis ce matin, ça s'est coupé. Donc je ne sais plus ce que je vous disais, mais ça s'est coupé à ce moment-là, puis on est parti. Donc du coup, j'ai pas su achever. Je vais ressortir du pain pour demain. C'est le dernier jour de la semaine, ça a été très vite cette semaine. Et là, on va aussi regarder ce week-end pour mon logiciel de montage. Tout est relancé, donc maintenant on va payer le plan tarifaire. Et puis comme ça, je pourrai faire les montages de ces vidéos aussi. Là, je me chatouille de partout. J'ai été dans une nouvelle maison, mon bazar a créé du grenier et tout ça, je suis dégueu. Je crois que j'ai juste changé de blouse parce que ma blouse était un petit peu, c'était un petit peu violent, ma blouse. Maman, c'est donc, la... voilà. Quoi? C'est laquelle me concerne quand t'as acheté des nouvelles? Je crois que c'est une rose. Moi, c'est la mauve et toi, c'est la rose. Donc, voilà. Du coup, là, les carottes vont cuire. J'ai préparé une petite boulette du fromage pour le petit parce qu'il n'a mangé que des frites chez mamie, il n'a pas voulu les œufs. Donc il a mangé des frites et un petit bol de soupe, donc il manque de protéines, donc on va mettre fromage haché, purée de carottes et les pommes de terre au four. Et puis ensuite, on sera pas tard dans notre lit parce qu'on est 6 et j'ai monté les deux rangées d'escalier 20 fois aujourd'hui, sans mentir, 20 fois aujourd'hui. Puis aller dans le fond du jardin, puis voilà, parce qu'il fait froid dans ma maison parce qu'il n'y a pas de chauffage, on a arraché la moquette. Avec mon frère et Dimitri nous a un peu aidé, évidemment, puisque lui, il a mal. Il est descendu à la cave, il est allé voir un petit peu, il m'a pété mon téléphone. Enfin voilà, on a fait quelques petites choses, j'ai commencé à descendre des choses du grenier. Les garçons vont venir m'aider parce que je ne saurais pas le faire toute seule, donc on va essayer d'y aller un jour avec les garçons. Mamie gardera les deux plus petits et on ira avec les enfants et ils nous aideront à sortir, ça ira beaucoup plus vite. Je vais aller voir. Donc voilà, voilà. Et là on est crevé, donc on est lessivé. On a fait que monter et descendre les escaliers, voilà. Donc on a eu froid aussi. Donc voilà, là on va se reposer ce soir. Et, ça va pousser longtemps. Ça va se reposer et puis demain les enfants vont à l'école, on va rester à la maison. Je suppose que Dimitri va commencer à regarder pour certains matériaux, etc. qu'il a besoin. Et voilà. Et puis peut-être que si mamie s'est gardé le petit... samedi ou un dimanche, j'irai avec eux à la nouvelle maison et on commencera à descendre tout ce qu'il y a à descendre du grenier. J'en ai déjà descendu une partie aujourd'hui, mais voilà, il y a certaines choses qui sont trop lourdes, donc ça c'est Dimitri qui va m'aider à les descendre, et les petites pièces et tout ça, des couvertures, enfin plein de colles dans le grenier qui sont pas à nous évidemment, qu'il faut retirer. Et voilà, voilà, voilà. Du coup, là, je vais finir la cuisson de tout. Je vais également mettre la table, etc. Et puis aller prendre une bonne douche, aller me laver les cheveux parce que là c'est crade. Et puis ensuite, après j'irai me reposer un petit peu.
on doit réfléchir au niveau des plans électriques, canalisation, enfin il y a encore des petites choses à mettre au point, mais voilà, globalement ça se passe, ça se passe. Bon, du coup, j'ai téléphoné aussi chez vous pour qu'on ait internet le 11 avril et on déménage le week-end juste avant, le 8, 9 et 10 on déménage, donc voilà, le 11 avril on aura internet dans la maison. Et j'ai téléphoné également à Luminus pour mettre le compteur d'électricité à notre nom, comme ça on ne relance pas le courant, donc ça aussi c'est nickel. C'est fait, le courant là il fonctionne et il est à notre nom. L'eau, ils doivent venir parce que eux par contre ils doivent nous changer le compteur parce qu'il y a une fuite au compteur. Les propriétaires avant l'avaient déjà signalé, mais ça prend du temps. Donc moi je les recontacterai en disant maintenant je vis dans la maison, que c'est une maison vide et qu'il faut qu'ils viennent changer parce que ça goûtait un petit peu. Donc voilà, et j'ai regardé quand on a fait les eaux, etc., pour vérifier la canalisation, où elle passait, la chambre de visite, etc. On s'est rendu compte que le robinet de la cuisine coule. Donc de toute façon, je voulais le changer, mais je vais le changer tout de suite. Ça, je vais pas attendre. Voilà, je dois le changer là dans l'immédiat. Donc voilà un peu pour les nouvelles. Valentino, ça a été. Il était à Bruxelles, il s'est bien amusé. Voilà, tout va bien. Le petit a passé sa journée chez mamie. Tout le monde est en forme. Tout le monde parte bien. Donc voilà, maintenant je vais vous prendre sur Instagram. J'étais sur Instagram, je vous ai fait une petite story aussi, comme ça il y a une petite story qui vient de sortir sur Instagram. Je n'ai pas filmé aujourd'hui parce que mon téléphone était rempli de vidéos. Donc je filmerai la suite de la maison pour vous la mettre après. Là on va activer, on fait le souper qui est en bonne condition. Et puis après, finie de journée. Bon, du coup, moi je vous abandonne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Et puis on se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Bisous.